Les adversaires ne sont pas des ennemis. Voilà. Adversaires, mais pas ennemis. Adama Bictogo, représentant le RHDP, et Georges Armand Ounien, représentant la plateforme EDS et les partis politiques, montrent l'exemple à suivre en ce dernier jour des dépôts de dossiers de candidature à la CEI pour cette élection législative. Les partis d'opposition que sont la plateforme EDS et le PDCI vont présenter plus de 100 candidats. Le PDCI RDA et notre plateforme EDS, nous sommes associés, nous sommes unis avec, dans le cadre de l'opposition et nous sommes venus ici déposer nos candidatures. Nous comptons aller justement pour prendre le Parlement. Le rôle du député est bien défini par la Constitution et donc c'est ce rôle-là qu'il faudra jouer. Notre loi fondamentale dit que l'Assemblée nationale vote la loi et consent l'impôt. Les députés, comme vous le savez, les députés, ce n'est pas un élu qui participe au développement. Il ne vote que les lois. Là, il faut être clair. Il ne faut pas aller mentir au peuple que je vais vous construire des routes. Non. Nous pouvons plutôt négocier auprès des gouvernements pour leur dire, ah, dans telle région, on a un souci d'hôpitaux, on a un souci des routes. Le Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix entend conserver ses sièges à l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Nous allons offrir au président Alassane Ouattara une majorité confortable pour traduire sa victoire au présidentiel du 31 octobre. Cette élection à venir va donc définitivement montrer que le RHDP est le plus grand parti, que le RHDP est réellement le parti qui rassemble. De son côté, le Front populaire ivoirien, venu aussi ce dernier jour à la commission électorale indépendante pour déposer ses dossiers, compte présenter une soixantaine de candidatures. Pour 2021, nous avons projeté de présenter une soixantaine de candidatures. Nous avons des candidats au nord, nous en avons à l'est, nous en avons au sud, nous en avons à l'ouest, au centre. Tout est bien qui finit bien. Opposition et parti au pouvoir s'affronteront le 6 mars prochain dans l'optique d'avoir le contrôle de l'hémicycle. Mais pour cela, il faut remporter l'élection législative.